Ça part, les amis. Oh, ça craque, par exemple, dans mes jambes. OK, let's go. Fuck, c'est quoi, ça? 82? On dirait un jeu Newground. Alien Anime, genre? Non, c'est... c'est quoi, déjà? C'est le jeu de... The fuck! C'est... C'est un beat'em up! C'est un beat'em up! Attends une minute, c'est genre... Castle Crasher! Attends une minute, Castle Crasher... Ben oui, facile! Je sais pas si ça a commencé sur Newgrounds, ce jeu-là. Mais je sais que le monde, il... Je sais que le monde aimait bien ce jeu-là au début de la Xbox 360. Ça, d'après moi, c'est le remaster HD. Il est ben trop clean, le bonhomme. C'est trop clean. Non? Comment ça, non? C'est les créateurs de Alien Eminem. Non, mais c'est ça, mais quand j'ai reconnu le style artistique, genre, j'étais comme, what the fuck? Alien Animid, genre. Attends une minute. Il a l'air d'avoir quelque chose de romain, une épée... Un score de 60. Rise, Son of Rome? Ah oh, non! J'avais acheté ce jeu-là avec ma Xbox One au début. Puis c'était vraiment impressionnant. Genre, niveau technologique, là, genre les visages ressemblaient à ça. T'es comme, what the fuck? On n'est pas dans une cinématique. Mais le jeu était supposé à la base d'être sur le Kinect. Puis là, vu que c'est, ça a droppé le Kinect, il n'y en avait plus. Ben, ils en ont fait un vrai jeu. Puis c'est Crytek qui fait 100%. C'est sûr qu'ils faisaient les Far Cry, les Crysis, tout ça. C'était super beau, hein, comme jeu de lancement, mais... Est-ce que c'est Resident Sleeper? C'est vraiment pas bon. Chris. Est-ce que c'est pas bon, man? Fallout! Alors, c'est-tu le premier ou c'est le deuxième? Hey, on en parlait de Fallout. C'est Fallout 1 ou Fallout 2? C'est Fallout. Oh, que c'est bon! C'est ça que je vous disais, man! Ce jeu-là, c'est un des premiers jeux que j'ai joué sur PC. On me l'a prêté. J'ai adoré, là. Regardez ça, l'origine de Fallout. Là, t'es dans un vault, là. Je pense que, genre, je sais plus combien de jours. Faut que t'ailles chercher, genre, un kit pour repartir, genre, le... En gros, genre, le premier Fallout, genre, t'es comme envoyé dehors de ton vault, de ton abri nucléaire. Pour aller chercher des composants pour réparer quelque chose qui permet genre de maintenir l'oxygène, la vie genre dans ton vault. Puis t'as X nombre de jours. Puis là genre tu dois aller genre mettons tu fais d'autres vaults pour aller genre pogner genre des composants genre identiques que t'as besoin pour réparer ton vault. Puis je pense qu'il y a une des fins non, je pense que c'est une des fins genre du jeu. Je m'en rappelle plus. Quand t'arrives puis t'arrives avec le matériel pour réparer ton vault, d'où tu viens. T'es rejeté, genre, par ta gang, genre. T'es rejeté par le overseer, genre, le gars qui s'occupe du vault en disant tu reviendras plus, genre, parce que, genre, t'es à l'extérieur, t'es contaminé. Genre, tu vas expliquer à toutes les gens dans le vault qu'est-ce que t'as vu, tout ça, on en veut plus de toi, tout ça. Puis je pense que tu peux le tuer, genre, d'en faire le même. C'est incroyable. Tellement des bons souvenirs. 78. Windows, c'est quoi, c'est genre cyberpunk? Third person sci-fi. C'est quoi ça? Ça me dit quelque chose. Wow, wow, wow! Non! Non! On a passé minuit, calique! J'ai fait mon... Attends une minute. Non, c'est correct. Je pense que j'ai encore le temps de le faire. Ah, c'est Jedi Fallen Order, je sais pas quoi. Ou Jedi Survivor, là, non? Ok, je l'ai eu à la fin. Ah, ça fait chier, ils m'ont chié dans les mains. Cache son historique. Non, je sais pas, j'essaie juste de pas trop montrer mes affaires, on sait jamais. Là. Personne mal intentionné. Ok. Alors, prochain. Ça me dit quelque chose. Thing de merde.
PC, PS4. Genre pas Xbox. C'est-tu genre... Non, ça peut pas être Friday the 13th. Ça peut pas être ça. Parce que Friday the 13th, on l'avait avant. First Person Shooter Survival Horror. C'est quoi, Killing Floor? Hey, j'ai aucune idée, man. Quand on tombe dans les FPS, j'ai aucune idée. Hey, j'ai aucune espèce d'idée, man. On va essayer un Killing Floor, man. Deux. Ça a marché! Yo, c'est Killing Floor! Splatoon, Killing Floor 2, c'est fucking bon. Écoute, je connaissais le premier. Ça ressemblait un peu à ce que j'avais vu du premier, mais man, ça fait tellement longtemps, Killing Floor. Je savais pas qu'il était genre PS4, PC. Mais en même temps, des fois, faut pas se fier à ça, là. Des fois, il doit être rendu sur Xbox, là. Depuis 2016, là. Trop de FPS gaming. Écoute, c'est étonnant, je l'ai eu. C'est-tu? Non, c'est pas Resident Evil 2. PS2? Bully? Ah, c'est Bully. Ça, tout le monde dit que Rockstar devrait refaire ce jeu-là. Genre, c'est un genre de GTA, mais genre, t'es un petit Christ à l'école secondaire, là. Mafia 3. Ok, quand même. Bioshock. Bioshock 2. Yo, Bioshock 2, j'y étais avec la proposition au début. Je reconnaissais un peu la teinte de couleur. Je prendrais un Bully 2, ouais. Mais crime, je suis chanceux. En même temps, j'ai pas mis Bioshock 1 parce que je pense qu'on l'avait déjà eu plus haut. Je suis pas sûr, là, mais il me semble de mémoire. Ça, à partir de là, tu peux plus, genre, te tromper. Genre, moi, tu connais zéro Bioshock. Là. Dans le 2, tu joues à un Big Daddy. Je sais pas pourquoi ça a l'air de Bioshock. Ouais, genre, les couleurs, genre. Genre, de couleurs de même, t'as pas revu ça, genre. Graphisme un peu genre en escalier, genre ça fait un peu genre Xbox 360. Ça a l'air tellement zoomé, j'ai aucune idée d'où il vient ce tuyau là. 70%. PS2. C'est pas Time Splatter, les bonhommes ont l'air trop réels. Ça va être un vieux Call of Duty, man. Je m'en allais écrire vieux Call of Duty, j'allais faire V, genre. Oh my god, Call of Duty, genre. Pff, allez, je sais pas, man. Genre, Call of Duty 2. 3. Guerrilla. Ah, c'est Killzone! Killzone 2? Ah, c'est le premier Killzone, asti, je me suis fait avoir. Quand j'ai vu Guerrilla, genre, j'ai fait... Ah... Ça, apparemment, les gars, c'était le Halo Killer, hein. C'était supposé tuer, genre, Halo, apparemment. Socom. Ouais, j'avoue, Socom aussi, genre, mais Socom, c'est tout des jeux que j'ai jamais vraiment joué, là. Raider. Il y en a-tu un qui est genre moins Shadow of the Tomb Raider? 75 Shadow of the Tomb Raider! Ah, mais ça fait peur! Je savais pas que la note était aussi basse. Pourquoi ça a pas marché? Pourtant, le... Ah, c'est Eidos Montréal en plus. Pourquoi ça a pas marché, genre, les autres Tomb Raider? Et là, c'est-tu tout seul au final? C'est une question de mode. Une question de mode. Les FPS, ça a beaucoup plus évolué qu'on pense. C'est, même si ça reste tout le temps en première personne,
Il y a tout le temps eu des vagues, genre. Genre, tu penses... Moi, je pense, mettons, à GoldenEye. Je pense à Time Splitter, qui était un peu la norme, genre, sur console. Des façons de jouer au multi. Après, Call of Duty est arrivé. Non, il y a eu une période entre-temps, c'était pas clair. T'avais plein d'FPS, mettons, des Medal of Honor, des trucs plus orientés campagne. Après, t'as eu les Call of Duty avec l'online. Après, t'as eu, genre, les PUBG, les Battle Royale. Je sais pas ce qui va arriver dans le futur, mais... C'est un peu des jeux qui vivent juste à cause de leur e-sport. Ouais, moi non plus, ça m'attire pas. Warcraft. Alors, attention. Warcraft 1 ou Warcraft 2? Je pense que c'est Warcraft 2. Ah, c'est que ça gosse. Warcraft 1, d'abord? Ça fait chier, j'aurais pu genre l'avoir dès le premier, genre. J'ai hésité avec l'arbre, genre. J'étais comme, ah, oh, man. Ah, c'est que c'était dégueulasse. C'est ça, hein, le premier Warcraft, les amis. Je me rappelle, j'y ai joué, j'étais comme, ah. Je préférais déjà Warcraft 2, là. Tu sais, c'était sorti. Hey, man. Stormwind! Ça a un petit peu évolué depuis. C'est vrai, genre la barre a resté sur le côté, je pense. Toutes les actions restaient là, c'est genre c'était pas en bas. Oh my god. Que des vieux souvenirs, man.